La galère d'une mère de famille algérienne en France. Elalia Boumediene, une mère algérienne de 37 ans avec 3 enfants, lutte depuis 2 ans pour obtenir un titre de séjour en France, selon le Télégramme. Sa demande, déposée le 31 août 2022, est restée sans réponse, plongeant la famille dans une précarité alarmante, incapable de travailler ou de trouver un logement stable. Cette attente prolongée met en péril le bien-être et l'éducation des enfants d'Elalia, scolarisés à Morhen-Savidan. Le manque de stabilité résidentielle et l'incertitude quant à leur avenir sont des poids lourd sur leur quotidien. Actuellement hébergée temporairement, la famille risque de se retrouver sans abri dans 10 jours. Elalia exprime sa frustration face à l'impasse que représente son statut sans papier, l'empêchant de trouver un emploi ou un logement. Malgré ses défis, elle garde espoir pour sa famille à Lannion, attendant une réponse positive de la préfecture. Cette histoire met en lumière les luttes rencontrées par de nombreux immigrants en France et souligne l'urgence d'une action pour assurer leur stabilité et leur intégration. Les témoignages comme celui d'Elalia mettent en évidence les difficultés systémiques auxquelles sont confrontés les immigrés.